Bienvenue sur la chaîne de la Grande Vie. Bon, aujourd'hui, c'est Noël pour la Grande Vie. Voilà, j'ai reçu un petit colis ce matin d'un cher abonné qui s'appelle Monsieur Eric. Voilà, je vais vous. Il a une page Facebook. Je vous la donne tout de suite. Je vous la mettrai en lien pour que vous alliez voir ce qu'il fait. Donc voilà. La chaîne, c'est Voyant XP. Désolé, j'ai du mal à lire. Voilà. Donc, j'ai reçu un petit colis ce matin que voici, voilà, que je viens d'ouvrir dans une petite enveloppe que voici. Je ne peux pas vous la montrer parce qu'il y a les adresses dessus. Voilà. Donc, dedans, qu'est-ce qu'il y avait? Nous avons, pour commencer, le clou du spectacle, la chose, un petit collier, voilà, magnifique, voilà, qui me va parfaitement. Faut juste le passer tout doucement aux cheveux. Et il nous a calculé ça pile poil. Voilà. Donc voilà. Donc c'est un. Attendez que je retrouve le mot, puis faut que j'arrive à lire. Parce que c'est un loburu. Je crois. Hein. Et il nous dira dans les commentaires, monsieur. Désolé, chef. Avec, nous avons alors une petite lettre que je vais lire tout de suite. Nous avons un petit livre avec des photos de ses créations en bois. Voilà. Vous retrouverez tout ça sur sa chaîne, sa page Facebook. Je vais y arriver aujourd'hui. Donc voilà. C'est un petit livre, en fait, où dedans, il y a encore un petit mot bien sympathique. Et en fait, c'est des textes, des poèmes, je ne sais pas comment on appelle ça, de ce monsieur, en lui-même, voilà. Je ne vais pas vous les lire comme ça, parce que déjà, vous allez voir, quand je vais vous lire la lettre, je n'ai pas que du mal à écrire, hein, j'ai du mal à lire. Du coup, ça déformerait les belles phrases, les beaux petits poèmes qu'il y a dans ce livre. Voilà, j'en ai déjà lu un ou deux juste avant de faire la vidéo. Et bah faut aimer et savoir écrire pour faire ce genre de truc très sympathique. Voilà. Donc je vais vous lire la lettre pour que vous compreniez un peu ce que c'est que ça. Non, ce n'est pas une croix gammée. Alors, Mohan. Désolé s'il y a des mots que j'ébrèche. Je suis désolé, chef, mais tu as une écriture de médecin et puis je ne sais pas lire. Du coup, les deux ensemble, ça va faire quelque chose de. Enfin bref. L'important, c'est ça. Voilà. Alors, Mohan. Oui, les rencontres virtuelles peuvent faire naître des amitiés. On ne se connaît pas, mais j'ai l'impression de savoir qui tu es. Il y en a beaucoup qui ont cette impression-là, Eric, t'inquiète pas. Mais, mon ami... Non, je rigole. Peut-être... Peut-être aurons-nous l'occasion d'échanger nos pensées autour d'un feu ou d'une table ou des. Je t'envoie ce livre, ce n'est pas de la grande écriture, mais c'est la mienne. Je t'envoie aussi ce pendentif, le Louburu. Je ne sais pas si je le. C'est basque. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'arrive pas à prononcer le mot, c'est parce que c'est basque. Et ceux qui connaissent le basque, vous savez qu'il y a des mots, faut être basque pour parler basque, quoi, tu vois. C'est comme ça. Alors, Louburu signifie en basque les quatre têtes, qui symbolisent les quatre éléments de la vie, l'air, la terre, l'eau et le feu. Donc voilà, je pense que ça me va plutôt bien. Nickel, magnifique. Je t'en envoie pour qu'il t'amène bonheur et réussite dans tes projets. Accroche-le où tu veux, le trapute, la cabane, etc. Donc voilà, je vais l'accrocher à mon petit cou pour sortir dans la nature. Et j'aime beaucoup ce genre de petit cadeau-là. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que c'est fait avec le cœur, c'est fait avec ses mains. Oui, oui avec des machines aussi, vous m'avez compris, quoi. Et pour moi, ça a plus de sens d'avoir un collier comme ça, qu'on m'a offert, que la personne a fabriqué avec son cœur,
que des trucs achetés. Voilà. Pas quelqu'un qui met des bijoux. Les seuls bijoux que j'ai mis, c'est des trucs qu'on m'a offert, qui ont été faits main. Donc voilà. Eric, tu peux avoir confiance en moi. Je vais l'avoir très souvent sur moi. Voilà. Je vais essayer d'en prendre soin parce que je suis pas très, très, très soigneux. Mais voilà. Donc voilà, je voulais encore remercier Eric pour ce magnifique cadeau. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous invite encore une fois à faire un petit tour sur sa page parce qu'il fait des petites choses vraiment sympathiques. Il vend tout ça sur le marché. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de faire des ventes par Facebook ou quoi, si vous êtes intéressé. Et puis bah voilà. Je pense que ce sera la fin de cette petite vidéo bien sympathique. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite encore une belle année, tout bonheur. Vous savez quoi, tout le tralala qu'on dit normalement, quoi. Vous connaissez le truc. Hein? Allez, à une prochaine vidéo, je sais pas quoi, je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas où. Voilà, allez, à très vite.